Allez, on commence par une petite vidéo. On est au mois de mai. Ganache. Ça va, Ganache? Ganache va bien. Oui. Ouais, elle a été se promener, Ganache, elle est contente. Allez, viens, Ganache, on va au jardin. Alors, Cookie. Cookie est tranquille. Au frais, il a chaud. Là, ça pousse très très bien les kiwis. On a des belles lianes qui partent là. Ça devrait être sympa. Dans le waking bed, la tomate est très sympa. On a les premières feuilles. Les tomates cerises. Très belle feuille. On a un beau tournesol là, le cosmos, un petit semis de carottes, on verra bien. Des salades qui poussent, une petite capucine. Là, on a quelques pieds de consoude dont j'avais fait des graines. Le tas de compost végétal. Voilà. Dans ce jardin ici, on a quelques tomates, également quelques courgettes au fond là-bas, des haricots, des tomates, il y a des blettes tout au fond là-bas, et les pois qui sont énormes. Les pois, je pensais que c'était des pois nains, mais vu la taille, j'ai plutôt l'impression que ce soit des pois. Aram. Voilà, ça c'est le petit jardin. Dans le jardin plus classique, on a toujours les bourdons, les petits bourdons qui s'occupent des ciboulettes. Tout à l'heure il y en avait plusieurs, il n'y en a plus qu'un. En tout cas, il a l'air de se régaler. Il se régale. Alors, on a une zone de culture où les betteraves commencent à arriver. Voilà, on va laisser. L'autre zone de culture, voilà les tomates et la courge. Notre courge là, elle est très belle. Il y a déjà des courgettes. Dans la serre. Alors, je vous rappelle que j'ai une toute petite serre, mais c'est bien parti là. On a des belles tomates, tomates cerises et des tomates classiques, et quelques aubergines aussi. Voilà. Alors celle-ci est toute petite, mais elle nous fait une fleur déjà. C'est bizarre. Voilà, voilà. Et ici, on a des petits pois, mais c'est pareil, c'est des rames, je pense. Des haricots. Là, il y a un itinéraire d'haricots, mais qui est pas très joli. Il n'est pas beau du tout. Les fèves. Elles sont infestées de je ne sais quoi, là. Je ne sais pas ce que c'est que ça.
Je ne sais pas ce que c'est que ça. Là, on a du concombre. Donc un concombre que j'avais acheté. Et du coup, il y a déjà un concombre qui est pas mal. La deuxième zone de culture là, qui est très très belle. Je suis très content de celle-là. Je trouve ça très joli. Il y a un petit peu de tout. On a des myrtilles ici. J'irai vous montrer tout à l'heure l'autre myrtillier. Il est plein à craquer. Là, on a un ricin. Et là, vous voyez, c'est infesté de pucerons. La bourrache, elle a survécu. La casse ici, il est beau. Les patates. Les patates sont très très belles. Et ici, on a notre zone de culture en bac que j'adore aussi. Je trouve ça super. Vraiment, je suis super content de ce coin-là. C'est super top. Je trouve que le choucal, il est top. Vraiment. Je trouve ça génial. Il a bien ce plaire-là. Compost. Il y a encore des patates ici. Ici l'autre bac de culture que j'adore. Vraiment. Avec le choucal, le petit cosmos, la ciboulette, la tomate qui est là, qui est très bien aussi. Vraiment. Bon, les fèves. Elles sont en retard et elles sont infestées de pucerons. Voilà. Voilà. Une petite bestiole là, je ne sais pas ce que c'est, je la prends. J'ai plein de petites bestioles nouvelles que j'avais jamais vues qui apparaissent et ça c'est top. Je me rends compte que j'ai ramassé les épinards ce matin et que j'ai laissé tout ça. N'importe quoi. On a les petites carottes là qui poussent. Vraiment, encore des betteraves ici. Bon, c'est blindé, les belles petites salades là. Et ici on a de la roquette. Voilà. Bon. Et ben je vous laisse.